Georges, écoute-moi. T'as une des frappes les plus puissantes qu'il m'ait été donné de voir. Mais dans un combat, ton pire ennemi dans n'importe quel combat, il est là. Toute ma vie, je n'ai su faire que deux choses. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce repas. On devrait pas t'appeler Foreman, on devrait t'appeler Pouilleman. Frappez et envoyez mes adversaires au tapis. Et Frosier va au sol. Comment je m'appelle, gros débile? Georges Foreman est le nouveau champion du monde des poids lourds. Cette colère en toi, elle vient d'où? Je suis pas en colère. Et ça finit par devenir votre nature profonde. D'abord, on remercie le Seigneur. C'est moi qui ai payé tout ça, maman. Non, ce type, c'est pas un champion. C'est un guignol avec des gants. Il n'y a qu'un pas entre le lit et le cercueil. Foreman va au sol. Qui a dit ça? On n'a rien dit, Georges. Georges! Ton cœur s'est arrêté. On a cru que t'étais mort. Je l'étais. L'histoire miraculeuse. J'ai pris ma retraite. Je veux plus boxer. Tu te rends compte de ce à quoi tu renonces? Je veux transmettre la parole de Dieu et dire ce que j'ai vu. Du grand Georges Foreman. Ça avance votre projet de devenir pasteur? C'est dur. Plus dur que de se prendre un coup de poing en pleine figure? Eh ben, franchement, parfois c'est pire. Salut les gars, vous pouvez entrer. La compagnie d'électricité dit qu'on n'a pas payé la facture. Quoi? Il n'y a que deux choses que je sais faire. Boxer et prêcher. Mais prêcher n'a jamais payé les factures. C'est toi qui m'as amené au sommet, Doc. Et tu peux le refaire. Et mon destin est de redevenir champion du monde des poids lourds. La dernière fois qu'ils m'ont vu, je ressemblais à Superman. Bah maintenant, t'es bonhomme Michelin. Mais c'est pas un concours de beauté. Quand la vie vous offre une deuxième chance. Michael Moorer, qui a 26 ans et qui semble inarrêtable. Tu penses que tu peux le battre? Ne le faites pas pour vous. Il n'a plus les moyens de s'imposer face à un boxeur plus jeune que lui. Mais pour ceux que vous aimez. C'est maintenant. Ou jamais. George Foreman, le combat d'une vie. Le contrat que vous avez passé avec la société qui vend des barbecues sous votre nom commence à générer des profits substantiels. Ah oui? Je comprends pas qu'ils aient choisi un gros bonhomme comme moi pour une pub qui dit aux gens de surveiller leur ligne.